Il devait avoir écouté. Bon dimanche, bienvenue à l'Église des Nations. J'aimerais commencer ce matin en lisant Psaume 133. Le Psaume 133 dit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Bien-aimés, nous sommes en plein confinement, mais notre foi n'a pas été confinée. Et je bénis le Seigneur. Nous avons été créatifs, nous avons fait des choses ensemble. Depuis le début du mois de février, nous prions ensemble tous les matins à 6 heures sur notre Zoom et nous passons du bon temps. Nous sommes bénis, nous sommes fortifiés, nous partageons la parole, nous voyons Dieu se manifester de façon palpable et je suis très fière de nous, de toute la participation de l'Église et j'aimerais inviter ceux qui n'ont pas encore participé à se joindre à nous pour que nous puissions voir cette bénédiction déborder. Nous allons voir l'impact dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans l'année et jusque dans l'éternité. Et ce matin encore, nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu se manifeste. Je prie que son onction, que sa présence soit sur chacun de nous et je vous souhaite un bon culte en ce matin. Nous allons être guidés dans la louange par Bill et Eugénie, un très beau couple que nous sommes bénis d'avoir. À bientôt! Plus loin pour le célébrer. Hosanna, nous te recevons, nous t'accueillons parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous rassembler encore ce matin. Thank you.
de fuir. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Le temps lui est soumis.
puissant. Ton nom est merveilleux. Merci Seigneur. Oui, dans Jean chapitre 15, verset 16, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom et vous le donne. Oui, c'est le Seigneur qui nous donne tout, c'est le Seigneur qui nous a choisis et ensemble nous allons déclarer notre appartenance à Jésus. Ensemble nous allons déclarer que c'est en lui que nous pouvons être appelés chrétiens. C'est en lui que nous sommes ce que nous sommes. En toi, je sais qui je suis. Oh,
Bien-aimés, j'espère que vous avez aimé la louange. J'ai vraiment été bénie et je remercie Bill et Eugénie pour leur ministère au milieu de nous. Bien-aimés, je sais que vous avez apporté votre louange au Seigneur. David pouvait dire qu'il ne peut pas aller dans la présence de Dieu les mains vides. Et même dans sa louange, il donnait tout ce qu'il avait. Mais au-delà de ça, David a tout fait pour bâtir le temple de Dieu. Bien-aimés, ce matin, je t'invite à donner au Seigneur. Je t'invite à bâtir dans le temple de Dieu. Je t'invite, en venant dans sa présence en ce matin, d'apporter ta dîme et tes offrandes. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur, comme il l'a dit, fera la différence entre toi qui le sers et celui qui ne le sert pas. Sois béni. Nous allons continuer dans la parole et la parole nous sera apportée par un frère qui est une grande bénédiction au milieu de nous, le frère Quen. Bonne écoute et soyez tous bénis. Bonjour chers églises, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, c'est encore un privilège pour nous de pouvoir entendre la parole de Dieu. Le titre du message, c'est « Jésus t'appelle ». Jésus t'appelle. Nous allons passer les quelques minutes à voir un peu donc sur Pierre. Nous savons que Pierre, il était l'un des disciples que Jésus avait appelé. Pierre était un jeune homme. Et à l'époque, il était pêcheur de poissons. Il pêchait les poissons. Pierre a tout abandonné pour suivre Jésus. Même lorsque les gens qui écoutaient Jésus ont commencé à partir, Pierre, lui, il est resté. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 6, versets 67 à 69. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Dans Matthieu chapitre 4, verset 28, nous voyons que c'est ce même Pierre qui a demandé à Jésus qu'il marche sur l'eau pour le rejoindre, si c'était bien Jésus qui était sur le lac et non un fantôme. Pierre avait beaucoup de zèle pour Jésus. Il était jeune, il était plein d'énergie. Et lorsque Jésus annonçait qu'il allait mourir sur la croix, qu'on allait venir l'arrêter et qu'il sera cloué sur la croix, nous voyons dans Matthieu chapitre 26, versets 33 à 35, la réponse de Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre était prêt pour mourir pour Jésus. Mais nous savons tous que malgré la bonne volonté et la détermination de Pierre, il a quand même renié Jésus. Nous continuons l'histoire toujours dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, quand ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Comment est-ce que vous pensez que Pierre devait se sentir lorsqu'il a constaté que, effectivement, il avait renié Jésus? Lui qui avait dit à Jésus, « À qui irions-nous d'autre? Tu as les paroles de la vie. » Et Pierre qui a dit qu'il était même prêt pour mourir pour Jésus. Et le voilà maintenant devant cette situation où il a renié Jésus trois fois. Et la Bible nous dit qu'il est sorti, il a pleuré amèrement. Donc, comment est-ce que Pierre s'est senti? Dévasté, triste, en colère contre lui-même, avoir du remords et se culpabiliser, la culpabilité, qu'il n'était plus digne d'être un disciple de Jésus, qu'il n'avait pas tenu sa parole, et peut-être même que Jésus ne pouvait plus compter sur lui. Est-ce que tu t'es senti comme Pierre, avec ces sentiments que je viens de décrire? Peut-être tu ressens cela maintenant. Est-ce que tu te retrouves en toi ces sentiments de tristesse, de colère envers toi-même ou peut-être envers les autres? Tu as des remords, tu te culpabilises et tu te sens que tu es très éloigné de Dieu. Je sais qu'avec la pandémie et le confinement qui dure maintenant presque une année, beaucoup de choses ont changé. La vie de beaucoup de personnes a été bouleversée pour le pire. Les plans que les gens avaient se sont évaporés dans plusieurs domaines. Dans le domaine du travail, les promotions que les gens attendaient, les voyages que les gens ont dû annuler et qu'ils avaient économisé et planifié depuis des mois, les relations humaines et les rencontres amoureuses qui auraient dû aboutir peut-être à un mariage, mais qui en fin de compte n'ont rien abouti. Pour d'autres, il y avait des problèmes de santé physique, émotionnelle, mentale, des difficultés financières, beaucoup d'anxiété, de stress, et même des personnes proches qui sont mortes de la COVID. Donc, toutes ces choses peuvent faire qu'on commence à s'éloigner de Dieu. Et on se retrouve tourne maintenant dans nos vieilles habitudes et addictions, comme l'alcool, les drogues et les mauvaises fréquentations. Tu te dis que, est-ce que Dieu m'aime encore? Tu te sens loin de sa face. Tu t'es dit à un certain moment que tu seras comme Pierre, tu vas suivre Jésus jusqu'au bout. Mais tu vois comme si tu as abandonné ta marche avec Dieu. C'est peut-être le désespoir, la tristesse, tu te culpabilises et tu te demandes est-ce que Jésus t'aime encore. Nous continuons dans Marc chapitre 16, versets 1 à 7, parce que gloire à Dieu que l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Pierre a renié Jésus trois fois, il a pleuré amèrement. Mais Marc, chapitre 16, versets 1 à 7, nous révèle quelque chose de très profond. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entraient dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Le message que les femmes ont entendu les ont beaucoup bouleversées et elles ont rapporté tout cela
aux disciples. Je me demande comment est-ce que Pierre s'est senti lorsqu'il a entendu ce message que les femmes ont rapporté. Je pense que il a dû sauter de joie parce qu'il a entendu que Jésus l'appelait par son nom et que Jésus voulait le rencontrer. Marc chapitre 16, verset 7, je vais relire encore cette partie. Donc, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ici, Jésus a fait en sorte que le message que l'ange devait annoncer aux femmes, ce n'était pas juste de dire que Jésus voulait rencontrer, voulait voir ses disciples. Mais Jésus a dit que, oui, je veux voir mes disciples, mais dis aussi à Pierre que je veux le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais ça a vraiment attiré mon attention. Jésus ne voit pas juste une foule de personnes. Lorsqu'on se rencontre à l'église, ce n'est pas juste une foule de gens que Jésus voit, mais il te voit. Et si tu as un besoin, tu as de la tristesse dans ton cœur, tu te culpabilises toi-même, Jésus t'appelle. Je veux mon église. Je veux aimer, verser mon amour dans mon église. Mais Jésus mentionne ton nom parce que tu as besoin d'entendre que Jésus ne te voit pas comme une personne dans la foule, mais Jésus te voit toi et l'état de ton cœur. Pierre avait besoin d'entendre Jésus l'appeler par son nom pour être rassuré que Jésus l'aimait encore. Et c'est ce que Jésus a fait. Dites à mes disciples et à Pierre que je vous précède en Galilée et c'est là que vous me verrez. Jésus a dit à Pierre qu'il voulait encore le voir, qu'il l'aimait encore. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ce matin pour toi. Il t'appelle par ton nom. Il n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu t'aime. Réponds à l'appel de Jésus. Il veut te rencontrer. Jésus est ressuscité. Il est victorieux. Il veut te donner la victoire. Il veut que tous ces sentiments que tu te sens éloigné de Dieu, la culpabilité, la colère contre toi-même, que tu as abandonné ta marche avec Dieu, que tout cela puisse être enlevé et laisse Jésus venir te restaurer. Peu après la résurrection de Jésus, l'histoire continue, gloire à Dieu, et pendant la Pentecôte, lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, à tel point que les gens croyaient que les disciples étaient ivres de vin, nous voyons Pierre, ce même Pierre, qui avait peur de reconnaître Jésus devant trois personnes, s'est adressé à une très grande foule, et la Bible nous dit que, après avoir parlé à la foule, c'était une grande foule, et la Bible nous dit que ce n'était pas juste trois personnes, mais 3000 personnes furent sauvées après que Pierre leur adressa la parole. On voit ici la puissance du Saint-Esprit qui travaillait en Pierre. Ce n'était plus son propre zèle ou sa propre force. Actes chapitre 2, versets 38 à 41 nous raconte cela. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes étaient sauvées lorsque Pierre s'est adressé à la foule. Ce même Pierre qui avait tellement peur de reconnaître Jésus devant trois personnes, ce même Pierre qui avait renié Jésus à trois reprises,
nous le voyons ici, rempli du Saint-Esprit, et qui annonce maintenant le message du salut à une grande foule. Et 3000 personnes, 1000 fois plus. Avant, c'était 3 personnes. Il avait peur de parler à 3 personnes. Mais maintenant, c'est 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus lorsque Pierre a prononcé donc ce discours du salut. Ici, nous voyons la puissance du Saint-Esprit. Peu importe ce que nous avons fait dans le passé, peu importe si nous avons comme si abandonné notre marche avec Jésus, nous étions découragés, mais lorsque tu te repens et que tu réponds à l'appel de Jésus, Jésus va t'appeler une deuxième fois, une troisième fois. Aussi longtemps que cela puisse prendre pour Dieu pour t'appeler, il va continuer à t'appeler. Réponds à l'appel de Jésus, sois rempli par son Saint-Esprit et tu vas voir que ta vie, ce que tu penses tu as échoué avec 3 personnes, tu auras l'occasion, Dieu va te donner l'occasion, il va te remplir de son Saint-Esprit et tu vas témoigner devant beaucoup plus de personnes. Ce que toi tu as pensé que tu n'as pas pu faire, mais Dieu va te donner l'occasion de faire encore de plus grandes choses parce que Dieu a beaucoup de choses plus grandes encore pour toi à faire. Ce matin, Jésus t'appelle. Une fois et même deux fois, comme il a fait pour Pierre. L'amour de Dieu te poursuit, même en ce temps de pandémie. Là où tu te retrouves, si tu te sens loin de Dieu, tu te retrouves maintenant dans tes anciennes habitudes, les anciennes fréquentations, et tu sais que cela, tu es loin de Dieu. Dieu t'aime quand même. Il veut que tu reviennes à lui. Là où tu es, peu importe ce que tu as fait, il est capable de te laver de tout péché, de toute souillure. Le diable vient pour condamner. Il te montre tous tes péchés et comment tu t'es éloigné de Dieu et que Dieu ne t'aime plus. Ce matin, tu as le choix. Jésus a dit, « Dites à mes disciples et à Pierre que je veux les rencontrer. » Jésus savait que Pierre l'avait renié 3 fois. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Ce matin, on ne peut rien cacher devant Dieu. L'état de notre cœur, l'état de notre âme, Dieu le sait déjà. Et Jésus t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Comme il a appelé Pierre, dites à mes disciples et à Pierre que je les précède en Galilée et c'est là que je vais les rencontrer. Tu as le choix maintenant et je te demande de faire ce choix, d'accepter cet appel que Jésus te fait aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom. Parce que comme je viens de le dire, le diable, il vient pour condamner, pour te montrer tes péchés et pour te dire que Dieu ne t'aime plus. Tu peux dire au diable qu'il est un menteur et tu peux te tenir sur la parole de Dieu, que Dieu qui est ton Père, il t'aime pour toujours et que ce matin, tu veux revenir à Dieu. L'exemple qui m'est venu en tête lorsque je préparais ce message, c'est que des fois donc, le diable nous montre comme sur une page, tous nos péchés que nous avons commis dans le passé et même jusqu'à maintenant. Tu vas entendre tout ce que tu as fait. Et tu commences donc à te sentir très mal. Tu te reconnais dans ces choses parce que ce sont des choses que tu as fait. Peut-être même ce sont des choses que personne ne sait, mais toi tu le sais et tu entends ces choses. Et c'est la culpabilité. Et pour des personnes, cela ne se voit pas de façon extérieure. Mais dans le cœur et dans l'âme de cette personne, la personne a beaucoup de culpabilité, de frayeur. Et pour cacher tout cela, on voit que la personne est toujours très occupée avec le travail, avec beaucoup de choses, ou même à l'église,
mais il y a quelque chose à l'intérieur où la personne sent que ça c'est vraiment grave. Il a fait quelque chose que peut-être que Dieu va peut-être même pas pardonner. Mais nous savons que tout cela est faux. Et des fois, le diable te montre cette liste. Peut-être même une seule chose que tu as fait. Et tu te sens vraiment coupable. Mais tu sais quoi, ce matin, Dieu m'a révélé cela. Tu peux dire au diable, oui, tout ce que tu dis sur cette liste est vrai. Je reconnais toutes ces choses. Ce sont mes péchés que j'ai faits et je reconnais tout cela. Mais je sais une chose, ce que tu me montres là, c'est seulement une copie. Et c'est vrai, tout ce qui est écrit sur ça, c'est vrai. Mais c'est juste une copie. Mais depuis que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, qu'est-ce qui se passe? Jésus me dit, voilà mon enfant, tu es devenu maintenant mon enfant. Le diable te montre tous tes péchés, mais c'est une copie. Moi, j'ai l'original. C'est écrit la même chose, mais c'est l'original. Et Jésus a mis son étampe sur l'original. Il met son étampe et il dit, j'ai tout payé, paid in full, payé au complet, payé par le sang de Jésus. Tu es maintenant racheté, tu es maintenant mon enfant. Tu sais, dans la vie, lorsque tu appliques pour un travail ou pour autre chose, tu présentes des copies, n'est-ce pas, de ton diplôme, une copie des documents qu'on te demande. Mais tu sais que juste avec la copie, ce n'est pas suffisant. Avec la copie, on peut savoir tu es diplômé dans quel domaine, tu as reçu un diplôme dans quelle chose. Mais pour pouvoir avoir le poste, pour que cela puisse être accepté et même légal, il faut que tu montres l'original. N'est-ce pas? L'original va prouver vraiment que c'est bien ça. Ça, c'est le vrai. La copie montre comme ce que l'original doit montrer. C'est la même chose. Si tu ne peux pas montrer l'original à la personne qui veut t'employer, tu ne vas pas avoir de travail. Si tu montres juste une photocopie d'un document essentiel, d'un document légal, on ne va pas l'accepter. Il faut qu'on puisse montrer l'original. Et ce matin, le Seigneur Jésus te montre l'original. Il te dit, tout est écrit. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Les péchés que tu as faits, tous les manquements, tout est écrit. C'est pareil comme ce que le diable te montre chaque jour. Mais dans l'original, Jésus a écrit, j'ai tout payé. Et puis Jésus tire, fait une barre, une croix. Et maintenant, donc, tous tes péchés sont lavés. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Si tu connais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, réponds à l'appel de Jésus. Comme Pierre a répondu, ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. Le deuxième appel que Jésus a fait à Pierre. Le premier appel, c'était lorsque Jésus l'a pris, lorsqu'il était encore comme pêcheur de poissons, et Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi. » Si tu connais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as déjà fait cette étape. Mais le deuxième appel que Jésus a fait à Pierre, lorsque Pierre a renié Jésus trois fois, il s'était éloigné de Jésus, il avait du remords. Lui qui avait dit, « Je ne t'abandonnerai pas, je vais mourir pour toi, s'ils viennent t'arrêter, je serai là. À qui irions-nous d'autre? Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. » Et puis Pierre, maintenant donc, qui avait tous ces sentiments de remords, de culpabilité, mais Jésus l'a appelé une deuxième fois. Ce matin, c'est peut-être toi aujourd'hui. Jésus t'appelle pour la deuxième fois. Reviens, je veux te rencontrer. Et puis tu peux montrer au diable que ce que toi tu as là, c'est la copie. Ce que j'ai même fait de péché de la semaine dernière ou maintenant, c'est une copie. Jésus m'appelle et lorsqu'il m'appelle, il me dit, voici l'original, j'ai tout payé pour toi. Mais si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel,
Tu as plein d'énergie, plein de zèle, mais avec le découragement, la pandémie, le confinement, l'anxiété, le stress, le découragement, les plans qui tombent à l'eau, tu es complètement découragé et tu n'as pas de force, tu n'as pas d'énergie. Tu t'appuyais tellement sur ta propre sagesse, sur ta propre force, mais maintenant vraiment, tu es vraiment à bout. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu t'aime, Dieu t'appelle, Dieu veut que tu puisses entrer dans son royaume. Et tu peux le faire aujourd'hui, tu peux devenir son enfant aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à Jésus. Je vais prier avec toi et je prie vraiment que tu puisses aussi faire cette prière afin que tu puisses aussi avoir cette paix, afin que tu puisses être rempli du Saint-Esprit et être comme Pierre, être renouvelé. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Tu m'appelles par mon nom, Seigneur. Je ne suis pas une seule personne dans la foule, mais tu me vois dans cette foule de personnes, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses venir en moi maintenant, me restaurer, me remplir de ton Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur à toi, Jésus. Je reconnais mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je me détourne de mes péchés. Et je vais te suivre. J'ai besoin de toi, Seigneur, parce que je n'ai pas la force nécessaire pour pouvoir continuer. J'entends ta voix ce matin. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je sais, Seigneur, que tu vas me conduire dans la victoire. Et je veux te dire merci, Jésus, parce que tu as l'original avec toi. Et tu as tout payé par ton sang. Tu as effacé tous mes péchés. Et je peux dire au diable que lui, il n'a qu'une copie qui n'a pas de valeur. Bien que tous les péchés que j'ai commis sont écrits, mais c'est juste une copie qui n'a plus de valeur. Et toi, Jésus, tu as l'original. Tu me renouvelles. Merci, Jésus. J'espère que tu as fait cette prière. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et Jean 3, 16, pour terminer, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je te souhaite donc un bon dimanche et que Jésus maintenant soit ta force. Dieu t'aime, Dieu t'appelle, Dieu sera toujours avec toi et Dieu est fidèle pour te garder dans son amour. Que Dieu te bénisse. Amen.